Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre famille, tout le monde se porte bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes mardi 16 février. Ouh, ça commence déjà, non mais c'est dingue, hein. Des fois quand je tourne, il y a des moments où je perds la boule, oui. Alors, je suis allée donc ce jour à But. Il fallait que j'achète, je sais pas, je suis partie pour une malle qui est comme ça. Alors que je voulais une autre, mais après je me suis rabattue sur celle-ci parce que l'autre elle avait un souci, donc j'ai pris celle-là qui est tout aussi jolie. J'étais à But, j'ai acheté des choses, il y a plein de choses à l'intérieur. Et j'ai. Farfouille ? Non ? Été à la Farfouille, j'ai été à Noz, et voilà. Et j'ai été aussi à Pickwick, mais c'est un haul que je ferai après. Je préfère laisser pas. Alors, tout d'abord, quand je suis partie à But, j'ai pris ça. J'avais envie d'une malle. Je sais pas. Une crise est montée ici, là, à l'intérieur, dans mon cerveau. Ben voilà, j'ai craqué, j'en ai voulu une. Je mettrai ce que j'aurai envie à l'intérieur. Elle est mignonne. Au début, il y en avait une verte. En fait, elle n'était pas totalement verte. Attention, c'était un peu tropical, avec des petites feuilles et tout. Trop mignonne, un beau vert et tout. Mais elle était très abîmée en fait à ce niveau-là. Plus en même temps au niveau des attaches qu'il y a ici, là, et bien en fait ça voulait pas. C'est-à-dire qu'elle souffrait beaucoup trop facilement. Donc ce que j'ai préféré, j'ai dit, vu que les deux de toute façon me plaisaient, je buguais entre les deux. Et bien, je me suis rabattue sur celle-ci. Elle vaut, pour qui s'intéresse, 50 euros. Elle est comme ça. Voilà, avec des toucans. Des petites feuilles noires et blanches, et on va la lâcher parce que ça suffit 2 minutes. Trois tailles différentes. Celle-ci, c'est la plus grosse. Il y en a une plus petite et une autre encore plus petite. Mais j'ai demandé s'ils n'avaient pas les autres tailles. Ils m'ont dit non, mais en tout cas, ils vont recevoir, etc. Bon, c'est déjà ça. On verra les prochains modèles parce que de toute façon, on a toujours des choses à ranger, à cacher, etc. J'ouvre ma malle. Eh oui, le coffre au trésor. J'ai été à Noz. Je me suis dit, tiens, on va voir s'il y a des petites choses qui concernent Disney ou alors des pop à des prix très abordables, etc. Hein. Si on peut se faire plaisir, on le fait. Mais il n'y avait pas. Donc, ben, Kitty a craqué sur d'autres petites choses. Dont, mais vraiment des petites choses, j'ai trouvé ça à 1,20€. Il fallait que je le change. Moi, j'en ai un comme ça pour le sucre. Hein, donc. Coca-Cola, mais là, ce qui est dans la boîte, elle était fatiguée, là. Elle commence à me dire hey, oh, change-moi. Donc, du coup, bah, chose faite. 1,20€, le petit chat perché comme ça, sympa. Là, c'est Noz, hein. Donc j'ai pris ça aussi. 2,50€, je sais pas si vous avez connu, mais moi je suis dingue de ça. C'était les bisounours, les popples. Alors, je sais pas s'il est passé à 2,50€, mais je pense que oui, mes meilleurs popins. C'est. Quand j'ai vu ça, c'était... Mais c'est le seul. C'est le seul que j'ai trouvé. Sincèrement. Alors là, c'était même pas en rêve que je le laisse. Même pas en rêve, j'aurais pu le laisser. Les popoles, les amis. Les popoles. J'en avais quand j'étais petite. Mais qu'est-ce que je m'amusais avec le nounours. Allez. Les dessins animés d'avant, etc. C'est... Avec tous les Disney Company, tout ça, là... Waouh, ça c'est un cadeau pour ma sœur, c'est questions-réponses, défi nature chat, à découvrir 30 espèces, un livre-jeu, donc comment jouer, ils nous disent hein, comment on y joue, etc. Je ne vous dirai pas le prix puisque c'est un cadeau, mais bon, vous savez très bien que quand c'est de chez nous, hein, ça vaut rien, hein. C'est pas des choses... C'est trop marrant. En fait, c'est fait bizarrement parce qu'ici, c'est coupé. Regardez, ça donne ça. Vous voyez à peu près le petit truc. Mais oui, c'est fait exprès. Donc, j'ai pris ça. Quoi d'autre? Ah oui. Ma fille voulait un sac. Parce que nous, on achète les chats, bien sûr. On achète les chats. J'achète des sacs Disney, les Loungefly. Et ça a un certain coût. Et mes filles, elles s'en foutent hein, très clairement des Loungefly. Et une de mes filles me dit « Maman, je veux un petit sac trop mignon, tout ça. » Je lui dis « Oui, quand je trouverai Inch'Allah, il n'y a pas de souci, mon bébé et tout. » Et bien, sincèrement, j'ai eu de la chance parce que regardez cette merveille. C'est pas trop chou.
Alors, ça vaut 3,99 € s'il vous plaît. C'est un petit hibou, c'est ça? Ça fait un style d'hibou ou ce que vous voulez. Bon, bref, hein, si je me trompe, désolé, mais je pense que c'est ça. Et regardez là, il y a le corps et tout, comme ça, et à l'arrière simple. Hein. Mais pour le prix, j'ai été vraiment choquée. Après, je suis habillée, comment dirais-je, mon haut remonte à chaque fois. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, hein, mais ça vient de Santoro. En fait, c'est une... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais en gros, c'est Santoro London. Moi, j'ai des poupées comme ça. Et j'ai trouvé carrément les petites trousses comme ça, toilettes, à 6,99 €. J'ai pris celle-ci. Vraiment très, très beau. Donc, j'ai pris celui-là. J'en ai pris un autre, il me semble. Si je ne dis point de bêtise. Oh, j'ai fait une bêtise là, par contre. Désolée pour le bruit. Et là, plus petit modèle. Et le plus petit modèle, il a 5,99 €. On a changé au niveau de la taille. J'ai pris ce modèle-ci, par contre. Voilà, la poupée, là, elle est différente. Elle est comme ça. Hop, hop, hop. Hein. Et dedans, je suis trop contente parce que j'en ai besoin, en fait, pour faire ce que j'ai à faire. Hein. Vous savez, des petits trucs à nous, en tant que femmes, pour des ordonnances qu'on ne doit pas jeter. Parce que vous savez, quand c'est des ordonnances de 3 mois, des petites choses comme ça, pas de petites bêtises comme ça, ben moi, j'aime bien avoir des trombones. Et ceux-là, les grands, franchement, c'est au top. J'en trouvais pas en magasin. Je les ai trouvés chez Noz à 1,50 €. Et en plus, c'est rose gold. Donc, ça tombait super bien, quoi. Et là, comme je vous ai dit, franchement, le deuxième... Ça fait plaisir. Maintenant, on va passer à oui, la foire fouille. Alors, pour la foire fouille, je suis en train de regarder quelque chose, que je ne vous dise pas de bêtises. J'ai le ticket, si je peux vous le dire en même temps, je vous le dis s'il y a dessus. Eh ben, ok. Donc là, c'est... Ah, j'ai pris des ranges couverts. Je les ai rangés. Franchement, j'ai pris des ranges couverts. Il y en avait un grand, grand, grand. Je l'ai payé 2,50 €. Un autre plus petit, 1,79 €. Bref, j'avais pris cela pour dépanner. Mais on verra. Bref. Next, aucun intérêt. La tablier, monsieur, madame, parce qu'une de mes filles en avait un, mais je n'avais pas trouvé pour l'autre parce que je ne voulais pas caser les mêmes modèles. 6,99 €. Et vu que mes poupettes, elles aiment bien mettre, on va dire, la main à la pâte au niveau de la nourriture, eh bien, il y a celui-ci, le petit cuistot. C'est trop choupi, j'aime trop. Après, nous avons un journal intime encore de monsieur, madame. Je pioche dans ma malle de but. D'ailleurs, but, j'ai oublié de vous dire que j'ai acheté autre chose. Je vais vous le dire après. Et si je peux faire une photo une fois que c'est montré, je vous la montrerai. Si vraiment je ne vous l'envoie pas, c'est que j'ai zappé ou quelque chose comme ça. Pardonnez-moi, mais je vais vous dire après de quoi il s'agit. C'est ça, les monsieur, madame. Donc, c'est le carnet secret. 80 pages lignées. C'est combien ça déjà, ce truc? 5 €. Alors, mon kiff. Ah oui, là, c'est mon kiff. Hein. Plateau de Mickey et mini à 8 € pour moi le matin ou peu importe. On verra, 4 heures, peu importe. Il est magnifique. Il est comme ça. Regardez-moi ça. Il est vraiment très beau. Donc, attendez, je vais le défaire. Hein. Moi, ça, j'en ai plus besoin. Il est comme ceci. Et j'ai craqué quand je l'ai vu, mais j'étais d'une contentesse. Je ne vous dis guère. Kika, quand elle voit ces choses-là, c'est oup là, là-dedans, on m'a perdu. Et après, il reste des boîtes. C'est vrai. Boîte de rangement. Oui, j'ai acheté une grosse boîte de rangement de 110 litres. Bon, je sais ce que je vais faire avec, mais vous savez, les grosses, grosses boîtes de rangement. Voilà, j'ai acheté ça à 13 €. Peu importe, ça ne sert à rien de la montrer, ça, là, elle est simple. Elle est transparente avec du noir au-dessus. Et par contre, là, j'ai pris des... ah oui, un panier en métal à 9,99 € qui se trouve ici. C'est magnifique. Mais on a le même en plus petit qu'on avait pris chez Action, sauf que là, c'est de la foire fouille et ouais, il vaut 10 €. Ce que je vais vous montrer, c'est ça vaut dans les 4 €. Je vais les garder. Ça ne va pas être pour ici. Je pense que, Inch'Allah, ça va être pour quand je vais partir d'ici. Je n'en dirai pas plus, Inch'Allah. C'est ça. Je les ai eus à but. J'ai oublié de vous les montrer parce qu'il a fallu que je vide tout ça. C'est des boîtes magnifiques. Comment vous dire à quel point elles sont belles, hein? Là, c'est marqué. Bon, attendez, je vais vous marquer Rice. Hein. Là, c'est, on va vous montrer comme ça. C'est riz. Il y a écrit riz avec des reliefs. Et regardez-moi ça.
Mais moi, je kiffe ces trucs-là. Ah non, mais c'est... Quand je vous dis je kiffe ces trucs-là, je kiffe ces trucs-là. Pourquoi ? Quand je dis je kiffe ces trucs-là, c'est pas dans le sens riz, sucre, ce que vous voulez. C'est le fait que ce soit blanc. Je suis dingue du blanc parce que je trouve que c'est d'une gaieté extraordinaire. Et ici, l'effet bambou un peu, vous savez, les couleurs claires comme ça, ça revient de ouf. Entre guillemets, à la mode, une beauté waouh dans les maisons. Donc du coup, bah ouais, je les ai vus, j'ai craqué parce que moi, toutes ces belles choses-là, ça nous attire, nous les femmes. On est fragile niveau achat, quand même. J'ai pris ça aussi pour mettre du thé. Comme ça, toujours la même chose, hein. Toujours la même couleur, comme ça. Je vous ai dit, hein, c'est à peu près dans les 4 euros la boîte. Je sais que la moins chère, je crois, la 3 euros et quelques, peut-être la plus chère des plus grandes, elle est peut-être un peu plus. Je vais pas vous dire de bêtises, hein, mais c'est à peu près ça. Là, c'est des pâtes, pour les pâtes, du moins. Hop, regardez-moi ça, comment c'est beau. Ah non, mais moi, je suis dingue de ça. Ah, moi, la couleur comme ça, ça. Vous savez ce que j'aime là-dedans? Ce que j'aime là-dedans, c'est que le blanc et cette couleur, ça fait très zen, je trouve. Ça fait très moderne maintenant, ça revient. Et ça fait zen dans le sens où ça détend. C'est magnifique. Au niveau des yeux, ça... Ouh, quelle beauté, quoi. On a pour le sucre, parce que mes filles qui s'amusent à vouloir faire des crêpes et nani nanana. On a pour... pour je sais pas. Pour la farine. À chaque fois, c'est des reliefs différents. Hein. La farine, regardez, c'est le blé, etc. Et le dernier que j'ai pris à but, avec ce que je vais vous dire après, c'est les céréales. Comme ceci. Et ouais, je suis très, très, très happy. C'est magnifique. Hein. Je ne peux pas dire le contraire. C'est vraiment très joli. Et voilà, donc là c'était but. Maintenant à but, j'ai rajouté autre chose. Mais il faut le monter en fait. J'ai pris deux chaises à 40 euros l'unité. C'est des chaises pour enfants avec une espèce de couleur comme ça sur les côtés au niveau de la coudoir et des pieds. À peu près comme ça. Parce que celle-là, c'est une couleur de gueudin que je kiffe comme pas possible. C'est à peu près, j'ai rien dit, à peu près. Et du coup... le dessus, l'assise et le, au niveau du dossier, ça fait une espèce de nuage, mais la texture, la matière, c'est du velours blanc cassé, crème un peu. C'est magnifique. Donc, but, j'étais très contente de ce que j'ai trouvé vraiment. Ce panier-là, c'est un panier magnifique de dingue, j'ai ma tête. Bref, ça ne sert à rien à voir, je ne suis pas du coquelage. Bref, en tout cas, j'étais vraiment contente de ce que j'ai... De ce que j'ai trouvé, oh là là, regardez, ça c'est moi, ça c'est moi. Enfin, c'est tout à fait moi, ça, c'est le bébé qui sommeille en moi. Vous savez, la femme enfant, la femme passionnée qui sommeille en moi. MDR, quoi, j'ai envie de dire. Et j'assume, oui, j'assume. Alors, j'ai fini pour ce petit haul. Donc là, maintenant, je vais vous laisser et je vais attaquer le Pickwick. Parce que franchement, il y a des sacrées pépites, ouais. Des sacrées pépites, des collections, etc. Ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Et c'est une vidéo que je vais faire à la fois pour les enfants, pour les adultes, pour les passionnés. Voilà, tout simplement, de tous ceux qui aiment les choses jolies, les choses de collection, etc. Kika, arrête de parler, s'il te plaît. Moi, je vous fais un très, très gros bisou. Mais un très, très, très gros bisou. Prenez soin de vous, de vos familles. J'espère que ça vous a plu. Likez si vraiment ça vous a plu. Ça fait toujours plaisir. La cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos, Inch'Allah, qui vont arriver. Ciao, ciao. Bye bye tout le monde.